pas trop tirer les choses à longueur, je crois que je vais appeler la sœur Virginie. Et elle doit passer à prendre le micro là-bas. On va chanter encore quand je ne démobilise pas. Bien. Alors, il est venu me voir. Le Seigneur lui a fait un reproche. Un grand reproche. En venant ici, le Seigneur fait de grandes merveilles, mais elle n'a jamais témoigné. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, les témoignages, je ne peux pas les forcer, on ne les sollicite pas. Vous devez vous sentir vraiment conduit à le faire. Amen. Amen. Alors, je l'ai laissé aussi. Bon. Alors, tellement elle en a accumulé. Le Seigneur lui a vraiment reproché ça. Alors, elle voulait témoigner juste à temps. Il y en a beaucoup, mais on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Sinon, on risque de faire une très longue réunion de témoignage. Donc, elle va témoigner. C'est pour son garçon. Et nous remercions le Seigneur parce que vous savez, quand vous faites un sacrifice, le Seigneur vient toujours pour vous montrer que vous avez une raison. Amen. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais remercier le Seigneur d'abord. Après, je vais donner le témoignage. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a protégé, il m'a gardé, vraiment m'a protégé. Durant 2018, j'allais mourir du Seigneur avec grâce. Comme le pasteur a dit, je vais être bref et d'autres, il y a plein de témoignages, je vais donner ça un autre jour. Je ne voulais pas témoigner parce que, comme le pasteur la dernière fois l'avait dit, je suis une servante de Dieu. Une véritable servante de Dieu parce que je fais tout presque à l'église. Je suis dans la messe pour le dimanche. Je fais tout presque. Bon, c'est pas tous les temps que Dieu m'a donné, c'est pas comme le péché. C'est pas le temps, mais Dieu m'a donné une capacité de faire des choses dans l'église. La dernière fois qu'on était sur le pont là-bas à l'église, la sœur aussi, elle a eu un message en me disant que Dieu m'a dit, ce que j'ai donné à toi, c'est pas à toi de le garder. Toi, tu dois travailler. Alors, toute ma vie, quand j'ai quitté la fille, toute ma vie en Europe, j'ai travaillé pour Dieu. C'est ça que je fais juste aujourd'hui. Mais il y a un moment que je faisais plus ça. J'avais des problèmes graves, là, mais le pasteur le sait. C'est pour ça que je dis au Seigneur, je vais rester un peu comme ça. Or, Dieu ne voulait pas ça. Quand Dieu donne quelque chose à toi, c'est pas moi, c'est pour les autres. Mes frères et sœurs qui à l'église, là-bas, dans cette église, alors c'est clair, ils savent que j'ai travaillé beaucoup pour le Seigneur. Et je l'ai fait. Il y avait un moment, j'ai quitté voir c'est clair, je suis parti dans mon église, et j'avais une autre église là-bas. J'ai travaillé comme la maîtresse me dit. Et j'ai quitté voir une autre église en question, je suis parti voir une autre église. Là-bas aussi, je faisais la même chose. Bon, comme là-bas, il n'y avait pas les coutumes, bon, j'encadrais les enfants. Alors, malgré ça, Dieu n'était pas content. Je suis venue ici, à Liège. Les années que j'ai passées à Paris, j'ai fréquenté des églises. Mais Dieu a fait grâce. Tous mes problèmes, c'est ici, à Nice, la vallée. C'est pour ça que Dieu dit, Dieu travaille en son temps. Amen. En mon temps, c'est ici.
ici. Dieu m'a donné des messages, plein de messages. Dieu m'a dit, c'est ici que tu dois travailler. Si vous ne me voyez pas venir à l'église parfois d'autre temps, c'est parce que c'est les circonstances. Et Dieu est en train d'arranger cette circonstance. Priez beaucoup pour moi. Alors, le témoignage, c'est pour mon fils. Il est là, mon fils aîné. On était à Paris quand je l'ai mis au monde, bon, vers les 6 ans, 7 ans. L'enfant était bien, l'enfant chantait à l'église et je suis partie au pays. Je suis revenue. Alors le diable a attaqué mon fils. Le diable a fait l'enfant. L'enfant était devenu comme un mongol. Vous connaissez mon mongol, comme Tizengi, mon fils là. Alors, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Je ne peux pas accepter ça. Vraiment, l'enfant, il avait changé. Tout d'un coup, l'enfant commence à faire des gestes. L'enfant ne parle plus. Parfois, il se met debout comme ça. Tu l'appelles, il appelle. Oui. Donc, l'enfant n'était plus bien. Je suis partie à Brazzaville, là où j'ai écrit le message. On a vu que l'enfant était attaqué, vraiment attaqué. On a prié là-bas. C'est fini, je suis rentrée en France. Et je suis repartie encore, mais non du tout. Là, c'était maintenant à Pointe-Noire. Là-bas, vous connaissez mon grand frère, pasteur Serge, il a prêché aussi ici. Je suis partie aussi là-bas, dans son église. On avait vu aussi que l'enfant n'était pas bien. Ils ont prié aussi. Mais quand je suis arrivée à Liège, là, on a prié, on a vu. Pasteur a prié pour l'enfant et Dieu a fait grâce. Si vous voyez l'enfant, il est plus comme il était. Il est guéri totalement.
bien-aimé. Qu'est-ce que vous, vous pouvez donner en échange d'un garçon comme ça qui est perdu? Merci. Vous pouvez donner quoi? Combien d'argent vous pouvez m'apporter pour ça? Merci. Combien? Merci. Combien vous pouvez me donner? Merci. Frère, respectez ce Dieu-là que nous servons. Amen. Il est rentré à l'école, il m'appelle, il dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'école? On ne comprend pas, il a changé de vie. Vous pensez que Dieu n'est pas à Brazzaville? Dieu est à Brazzaville. Dieu est partout. Quand Dieu veut te montrer où tu dois être, il te donne un dessin. Ça m'étonne quand je vois des gens, tu viens ici pour que Dieu te guérisse, et puis tu vas chercher une église pour aller danser. Là, c'est simplement pour aller danser, eux montrer des vêtements. Mais tu ne comprends rien. Amen. Dieu te guérit, Dieu te sort quelque part, mais c'est là ton quartier général. Il y a beaucoup de parents ici. Avoir un fils qui devient mongol, qui devient comme ça, vous savez ce que c'est? C'est un chagrin de toujours. Il y a même des parents qui vieillissent précocement quand ils perdent un enfant comme ça. Frère, moi, rien que de voir des choses comme ça, ça me donne envie de continuer à le servir. Amen. C'est ça servir Dieu. Amen. Tu dis Seigneur, je ne passe pas des nuits entières en étudiant la parole, en lisant pour rien. Quand tu fais ça, tu me donnes des bonnes raisons de continuer. Et regarde les choses qu'elle aime regarder comme ça. Non. Il y a des parents qui ont peut-être des besoins pour leurs enfants. Ils doivent savoir que c'est Jésus-là. Il est encore vivant. Amen. Toujours. Amen. C'est vrai parce qu'encore, c'est un peu pour un petit temps. Toujours. Amen. Frère, il y a des témoignages que je ne peux pas donner, ça je comprends. Comme je vous dis, certains pour ne pas choquer des gens ici. Mais sachez que le Seigneur fait des merveilles. Amen. Alléluia. Amen. Merci Sœur Virginie. Il y a beaucoup de témoignages. Que vous le voyez là, elle allait vraiment perdre l'esprit. Elle commençait déjà à parler dans la rue comme ça. Oh, il y a quatre samouraïs, il ne faut même pas qu'elle traverse. Elle commence à parler. Toute seule. Des attaques. Toujours dans, surtout dans les pays là-bas. Quand vous voulez partir au pays, surtout avec les enfants, soyez sûr que vous êtes conduits. Hein? Les chrétiens, avant de voyager, ils viennent, ils consultent Dieu. Il va voir le pasteur, nous prions. Comme ça, nous savons que le Seigneur garde et protège. Et là, j'avais dit, c'est partout, c'est dans le monde. Que Dieu soit loué. Il y avait encore un autre témoignage. Là, j'ai oublié, c'était quoi? C'est celui d'un frère qui m'a appelé de Lyon. Frère Didier, j'avais prié pour lui, je ne sais même plus. Pourquoi? Il m'a appelé hier. Ah oui, c'était pour des choses. Bon. Bon, accepte seulement. Que après la prière, oh le Seigneur l'a délivré de ces esprits-là. Bon, je ne peux pas le dire. Amen. Amen. Je vous dis parfois, je n'aime pas le dire parce que si on dit que Dieu a délivré quelqu'un du vol, c'était un grand voleur. Bon, lui, tu peux avoir des chaussettes. Dans les chaussures comme ça, il vient, il te vole des chaussettes et les chaussures restent au pied. Alors Dieu l'a délivré. Si je vous donne un témoignage comme ça, chacun se pourra devoir porter son sac au cou comme ça. C'est comme ça que certains témoignages, je n'aime pas donner. Parce que il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut pas délivrer. Amen. Dieu délivre déjà. Oh, Dieu, il vient venir à la maison, lui. Bon, on ne sait jamais, tout ça va tout, mais il est délivré.
tu peux laisser ton portefeuille. Amen. Il a chargé. Amen. Amen. Bon, certains témoignages, je vous laisse quand même. Mais vous allez voir la personne lui-même, elle-même, elle aime Dieu. Elle sait ce que Dieu a fait pour lui. Parce que si on commence à donner tous les témoignages, c'est pas bon ça. Parfois, on doit avoir la pudeur. Comme nous entendons les témoignages d'une sœur sur Internet. D'abord, le témoignage, elle était. Comment elle est, ce qu'elle était? C'était une sirène. Elle se vante d'être sortie avec tous les grands gens. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Comme témoignage. J'avais oublié, c'est une fille qui habite à Bandal. Je dis, un jour, je vais quand même voir un peu ce qu'elle est. Bon, parfois, aller chercher, mais demander. Vous voyez, ce n'est pas bien, on ne peut pas se vanter d'avoir été une prostituée. On doit le dire en pleurant. Oh, on est une prostituée, on est content. On se vante pour avoir été prostituée. Non, mais c'est pas bien. On va trop, parce qu'on va trop. Mais oui. Non. Et puis quand tu dis ça, tu vas. Mais c'est comme si elle ne regrette même pas d'avoir vécu comme ça. Vous voyez? Bon. Qu'est-ce qu'on va dire au témoignage? Au nom de Nazaré, qui est notre grand sorcier, Nazaré, qui est notre amour, nous l'avons. Et puis, tu vois les grands titres sur Internet. Là, c'est 1 million de vues. Ah, mais moi, j'étais un magicien. J'étais le secrétaire général. Parce que chez eux, tout le monde est chef là-bas. Bon, en tout cas, nous remercions le Seigneur pour cela. Le dimanche prochain, quand nous aurons la visite du pasteur Vincent Troupia de Charleroi, donc il sera ici pour nous apporter la parole de Dieu. Bon, pour ceux qui étaient avec moi au baptême, c'est lui qui nous avait prêté son baptistère. Ah, c'est à Marcinelle, voilà. Oui, hein, très celui que tu connais, là. Voilà, c'est celui-là. Donc il sera ici le dimanche. Je vais me renseigner pour voir quel type de chant il aime. Comme ça, on va l'exécuter deux ou trois. Comme ça, il va nous apporter la parole de Dieu. Hein? Amen. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs dons dans les corps. Amen. Chacun prêche selon ce qu'il a reçu du Seigneur. Amen. Mais une chose est vraie, c'est un homme de Dieu. Amen. Amen. Donc, il aura certainement quelque chose pour toi. Ne sois pas distrait. Le Seigneur nous dira certainement quelque chose pour nous fortifier ou pour nous aider à aller de l'avant. Amen. On va chanter deux chants, on va prier. Ceux qui ont répété là, vous allez chanter après la prédication. Que Dieu vous bénisse. Oh,
petit accord là pour jouer parfois. Il y a la sœur Marie Bokilo. Elle en plaît, je n'étais pas parmi vous mercredi. Dans la voici mon pôle, il y a beaucoup à
Et pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent lui dire avec instance. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Prions le Seigneur, bienveillant Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Cette parole est la vérité. Un jour, tu avais croisé cette femme qui était venue quelque part au Liban. Et il est allé te rencontrer là-bas, ô Jésus. Toi, tu l'avais guéri. Tu avais guéri sa fille. Merci, parce que tu es le même Jésus maintenant. Nous croyons, Seigneur, que tout ce que tu as fait, tu peux encore le faire. De toute manière, tu le fais déjà. Seigneur, nous croyons. C'est pourquoi nous bénissons cette parole. Seigneur, bénis-la maintenant dans le cœur de tes enfants. Et loue Satan et donne-nous la foi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Viens nous asseoir. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, c'est une femme syrophénicienne ici dont on parle dans la Bible. Mais je crois que tous ceux qui lisent la Bible, comme nous le savons, une femme, elle est toujours le type d'une église. Amen. Parce qu'une église, pour sa survie, elle a besoin d'un mari. Amen. Alléluia. Amen. Le mari de l'église s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le mari capable. Amen. 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 Ésaïe chapitre 4 dit, en ce jour-là, sept femmes viendront et diront, nous allons nous-mêmes acheter notre pain. Nous allons nous-mêmes nous fêter. Mais nous voulons seulement porter ton nom. Amen. Non. Nous ne voulons pas seulement porter son nom. Nous voulons qu'il nous fêtisse. Nous voulons qu'il nous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette femme, les Aïkas, ce sont des femmes comme on le trouve aujourd'hui, c'est-à-dire des églises qui s'appellent chrétiennes, mais qui mangent la nourriture fabriquée par eux-mêmes, qui portent des vêtements spirituels fabriqués par eux-mêmes, mais alors qu'ils portent seulement le nom de Jésus. Mais une véritable église aura besoin de son époux. Amen.
chanter, il a besoin de Jésus. Amen. Pour prêcher, il aura besoin de lui. Pour faire quoi que ce soit, nous avons toujours besoin de lui. Parce que Esaïe 9 dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Et lui, il dominera sur elle. Voulez-vous qu'il domine sur nous? Jésus domine sur nous. Jésus, c'est le message de l'heure. Jésus, c'est la parole ouverte. Enfin, gloire à Dieu. Je vais parler de la persévérance. Amen. Parce que nous voulons tous les bénédictions de Dieu. Et Dieu te bénisse, j'ai pensé à t'appeler, tu te sens mieux? Oui, ça va. Ah, gloire à Dieu. J'ai pensé à t'appeler, mais ton papa ici, c'est le papa de plusieurs problèmes, des dossiers. J'oublie, quand je pense à quelqu'un, je dois appeler directement. Quand je l'appelle pas directement, j'oublie. Amen. Parce qu'elle était un peu malade la fois d'avant. Mais persévère. Alléluia. Il est le spécialiste des cas impossibles. Lorsqu'il n'y a plus de solution, lorsque les gens te jettent sur le bord, c'est à ce moment-là que Jésus arrive. Il dit, ici, tout le monde a jeté. Moi, je ramasse. Je ramasse dans la foule. Je ramasse dans la lumière. Je veux faire. Mais vous continuez à le suivre, vous continuez à le suivre.
miséricorde. Vous voyez? Comme cette femme syrophénicienne, elle avait entendu parler de Jésus. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. C'est pourquoi ne battez pas les portes de toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh Jésus, tes serviteurs est une église dénominationnelle, mais Asa gentil. Il va te donner des conseils, c'est bien. Mais nous, nous avons besoin de la foi. Amen. La foi doit venir de la parole de Christ. Amen. Le message de l'heure. Amen. C'est là où tu vas avoir la véritable foi. Amen. Amen. Tu suis le monsieur, tu vas le suivre. Ça va, il va te donner des bons conseils. Vous pensez, l'autre, il commence à te donner des conseils. Et puis, quand il prêche, il dit, moi, quand je viens à Paris, je dors dans des hôtels de 5 étoiles. La 4 étoiles, non. Je ne peux pas être fils de Dieu, hôtel à toi. Toi, tu regardes. Là, dans la troisième étoile. Tu écoutes la prédication, tu deviens malheureux. Donc, ça va se salater. Tu vois, la nourriture que tu manges va te donner la foi qui correspond à cela. Amen. J'ai le papier ici, frère Branham, je vais vous le lire. Il dit, William Branham, nous avons reçu dans l'île ici, Tony Osborne. Il dit, il est venu, c'était bien. C'était bien, il a prêché, il y a eu un peu, comme, c'était quand même bien. Il dit, nous avons encore reçu, Il dit, il est venu, il a fait des réunions, il y a eu aussi quand même des guérisons. Mais il nous a laissé une facture salée ici. Parce que son équipe ou tel des luxe. Avec des cheveux lissés, collés comme ça. Lui ne peut pas loger dans n'importe quel hôtel. Il dit, mais vous, William Branham, déjà vous êtes venus par vos propres frères. Mais après votre réunion, on a ramassé des camions. Ou que je suis malheureux. Non! Tu auras besoin de l'onction. Tu auras besoin de paix, de miracles, de la puissance. Il a refusé des chèques d'un million. Il aurait pu avoir l'argent plus que l'oral romain, plus que Tony Osborne et le Rémi. Mais il a refusé des chèques d'un million. Il dit non, 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 je ne veux pas. Il dit je ne veux pas être là en train de suivre la marchandise. Non. Il dit non, ça va captiver mon attention. Je ne serai plus concentré. Amen. Vous voyez, qui doivent être des modèles pour nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Romains 10, 17, lisez-moi ça. Romains 10, 17. La foi vient de ce que vous entendez. Amen. C'est pourquoi faites attention. Ne prêtez pas votre oreille à n'importe quoi. Vous aurez quelque chose dans votre vie. Vous allez penser que c'est moi qui l'ai dit. Ou vous allez penser que ça vient de la parole. Mais ça ne vient pas de la parole. Lisez le message. Écoutez le message. Vous pouvez m'écouter, écouter les autres prédicateurs aussi qui vous prêchent ce même message. Le temps de la différence est arrivé. L'église est arrivée à Val-Pénor. Au moment de la séparation. Amen. Au moment où les lignes doivent être démarquées. Amen. Au moment où on doit voir la différence entre Moab et Israël.
Non, c'est de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. C'est la même chose, mais il y a une petite nuance là-bas. La parole de Dieu, c'est la parole pour tout le temps. Mais la parole de Christ, c'est la parole de l'heure. La parole pour toi aujourd'hui. Son prêtre, il dit, moi je dois aller à cette église-là. Je vais tout dire son prêtre, il dit, nous n'est que la
Est-ce que vous êtes avec moi? La reine du midi, Frère Branham dit que c'était une femme, mais elle avait mis sa vie en danger. Elle a traversé 3 mois dans le désert. Elle était exposée. Elle pouvait connaître les attaques des bandits. Mais il y avait quelque chose qui l'attirait. Parce que Dieu savait que son fils est en vie.
rester ensemble. Amen. Comme il l'a fait avec Samson. Amen. Il les a réunis dans ses stadiums. Parce que s'il tue un ici, il tue un là, ils vont se multiplier. Je vais les regrouper ensemble. Amen. À quelle occasion? À l'occasion des malheurs qui m'arrivent. Mes ennemis se réunissent et commencent à se moquer. Alors le Seigneur prépare un coup. Diable, tu ne sais pas. Jésus prépare un coup. Les Esquimaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez la foi. Amen. Maintenant, vous avez besoin de la paix. C'est des grâces. Parce qu'on doit parler de vous. Amen. On doit vous critiquer beaucoup. Amen. Pour que Jésus manifeste ta gloire. Amen. Le prophète. Il dit vers les 4h, 5h, quand l'obscurité devient pour moi, c'est alors que les voiles du matin commencent à fouer dans l'horizon. Ok, écoutez, par la foi, Église 1956. Notre Père Céleste. Oui. On dirait que je ne peux tout simplement pas ôter cela de mon esprit. On dirait la mouille que le de esprit en l'air. La petite fille là qui se meurt. Fille moi au cœur, ça dit votre femme. Elle est la chérie de quelqu'un. Azali chérie à mon cœur. Elle est ta création. Azali, mon ami. Et Satan lui ravit sa jeune vie. Tu dis quel bras là. Alors on parle des esquimaux qui font 50 mètres. Ah ok, je vais trouver ça parce que c'est sa condition. C'est l'église sa condition. Il y a trois brochures là-bas. Là, c'est... Regardez, là, cette femme a marché. Elle est venue voir Jésus. Vous êtes venu ici, mais c'est parce que vous avez appris que Dieu fait une chose. Tous ici, vous êtes venu parce que vous avez besoin de quelque chose qui nécessitait de l'intervention divine. Les églises ne peuvent rien faire contre vous. Le pasteur non plus, nous non plus. Et ça dit, glorifiez-le dans les lieux où brille sa lumière. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans les lieux où brille sa lumière. Amen. On ne glorifie pas Dieu n'importe où. Il doit être dans les lieux où brille sa lumière. Amen. Parce que Dieu est lumière. Amen. Mais regardez, cette femme a eu la foi. Elle est née cette fille. Elle est arrivée jusqu'à Jésus. Mais quand elle est arrivée à Jésus, oh là là, on est arrivé ici maintenant pour nous réconforter tous. Fils de David, aie pitié de moi. Comprenez-la, c'est une dénominationnelle. Elle ne savait pas comment l'appeler Dieu. Elle appelle Jésus fils de David. Frère Madame dit que Jésus n'était pas fils de David pour elle. Non. Non. Jésus sera fils de David quand? Ça sera dans le millénium. Amen. Vous voyez? Donc, vous devez avoir une foi parfaite. Amen. Pour obtenir quelque chose de Dieu, vous devez la demander de la manière qui convient selon la parole. Amen. Un chrétien devant fils de David. Oh. Fils de David? Non. Fils de David, pas pour toi. Toi, tu n'es pas juif. Déjà, un. Et puis deux, ce n'est pas maintenant que je suis fils de David. Je serai fils de David quand je vais prendre son trône, quand je viendrai pour le règne du million. Donc cette femme ne demandait pas selon le message des temps de son âme. C'est pourquoi Dieu est resté
Alléluia. Mais regarde, il n'y a rien qui peut éteindre la foi. Ou ni la décourager. Tu arrives dans une église, le frère commence à parler contre toi. Le soeur commence à t'embêter. Oh là là, là, ce sont des épreuves pour tester ta foi. Parfois les gens sont différents. Pour on ne salue pas, on ne fait pas ceci. Dieu doit regarder si la foi est authentique. Je dis, moi, je ne quitterai pas le message. Il dit, c'est vrai. Il dit, frère, tu exagères. J'ai dit, mais c'est la vérité. J'ai dit, attends, je trouve que tu n'as pas compris. Si William Branham ressuscite aujourd'hui, et il dit, écoute, Franck, je me suis trompé. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas la vérité. Je dis, je ne le croirai pas. Stop!
et c'est ce qui donne une véritable foi. Maintenant, regardez. Mais cette bonne nouvelle, quand elle est devant toi, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Mais il ne s'agit pas de douter. On ne vient pas pour chercher une petite chose et puis on nous se décourage. Non! Le prophète connaît le cœur. Amen. Là, au paragraphe 2, on va commencer dans le milieu, là, tous les gens. Le prophète connaît le cœur. Voilà, on lit juste deux ou trois choses, on a terminé. Bien. Bien. Je pense que nous avons dit que demain après-midi, je parlerai à l'auditorium. Tu peux lire là, alors on commence. Là, c'est deux. Oui, deux. Les gens de bien. Ah, les gens de bien. Souvent, lorsqu'ils sont dans la réunion. Souvent, dans la réunion. Je ne suis jamais présent et Satan en profite. Dans la réunion présente et Satan en profite. Voyons que cela fait 3 ou 4 jours. Croyez qu'il y a un peu ça en 3 ou bien 4 jours. Il faut parfois plus que cela pour que réellement les bénédictions commencent à s'installer dans un individu. Voilà. Il faut parfois plus que 3 ou 4 jours pour la bénédiction et comment s'installer réellement dans quel qu'il y a monde. Alors quand Satan revient après ce temps-là, ce qui Satan arrive si maintenant, l'esprit impur qui est sorti de cet homme, l'esprit impur est même la moto. Alors il essaie de tenter la personne à nouveau. Et le mécanisme pour tenter pour le et bien souvent il cède à la tentation. Souvent, pour accéder à Jésus. Dans le découragement, dans la tentation. Frère dit, parfois, il faut un petit temps pour que les bénédictions s'installent véritablement dans les individus. Parfois, il faut le temps. Parfois, ça peut être un miracle. Souvent, d'ailleurs, Dieu a accompli des miracles pour des gens qui nous durent. Parce que pourquoi le Seigneur ne fait même pas des miracles souvent chez certaines personnes? Parce que tu obtiens juste ce que tu veux et puis tu pars. Vous voyez, le Seigneur te laisse le temps de savoir ce qui t'arrive, de la parole que tu as crue. Il faut que cela pénètre en toi. Il faut que cela devienne vie en toi. C'est comme ça qu'il dit, il faut parfois quelques temps pour que les bénédictions que Dieu vous envoie tous les jours. Vous voyez, nous devons persévérer pour que les bénédictions s'installent, pour que les bénédictions prennent le corps. Quand on plante quelque chose, si c'est superficiel, quelqu'un peut venir l'arracher. Mais si les bénédictions s'installent, entre dans la racine, entre dans l'âme, même s'il n'y a plus de vie aujourd'hui. Et tu as donné patience. Amen. Dans Matthieu 13, Jésus dit que ce sont des épines qui commencent à tuer la semence de la parole, de la bénédiction que le Seigneur a placée en toi. Vous voyez, nous avons besoin de persévérer jusqu'à la fin. Parlons-toi maintenant. Écoutez. Bien, ayez foi. Et je dirais ceci. Après que je sois parti, eh bien, vous découvriez qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà guéris dans cet auditoire. Bon, et peut-être qu'ils ne le réalisent pas maintenant. Bien, j'aimerais lire un peu l'écriture. Bon, donc les gens sont guéris, tels que vous êtes là, mais certains ne le réalisent pas. Est-ce que la Sainte Marie, le jour où le Seigneur s'est occupé des erreurs, est-ce qu'il le savait? Non. Il l'a su à l'hôpital.
Les docteurs veulent parler de l'Okamou. Je dis, madame, qu'est-ce qui se passe? Madame, qu'est-ce qui se passe? Mais comment? Ça s'est installé quand? En combien de jours? Je ne sais pas. Mais les bénédictions, elles ont besoin d'un temps pour s'installer. Je dis bien s'installer. Mais il peut venir. Mais laissez-le le temps de s'installer. Quand l'onction commence à vous quitter, c'est comme ça qu'on commence à voir qu'on a des soucis, qu'on a des problèmes. Frère Branham dit dans la prédication influente, il dit c'est l'atmosphère qui crée les résultats. Quand vous avez vos bénédictions, vous avez besoin d'être dans une certaine atmosphère. Être dans une atmosphère. Pas n'importe quelle atmosphère. Elle est là, la fille est dans l'œuf. Mais si l'oiseau ne vient pas pour créer une belle atmosphère, cette vie va mourir. On va dire non, il n'y avait pas de vie, Dieu ne m'a pas donné. Non, Dieu a donné quelque chose là. Il faut maintenant qu'il y ait une atmosphère. Amen. Souvent, il faut 21 jours pour que l'œuf vienne à maturité, pour que le petit poussin puisse donner des coups de bec et sortir. Vous voyez, il faut une certaine atmosphère. Maintenant, regardez, le prophète dit quand un poussin est dans l'œuf, il dit ne venez pas pour dire, mais oh, le 21 jours, il sait déjà 21 jours. Ah, je prends la fourchette, tac, 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 pour le sortir. Si tu fais cela, tu le tues. Amen. Il dit qu'il doit donner des coups de bec là-bas. Pac, pac, des coups de griffe. Il doit ouvrir l'œuf. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il doit ouvrir l'œuf après 21 jours. Mais pour un animal qui ne vit que peut-être une poule peut vivre, je ne sais pas comment, un an, deux ans, je ne sais pas. Mais il a besoin de 21 ans pour sortir. Mais que pensez-vous d'une bénédiction que Dieu vous donne? Amen. Mais cela peut prendre un certain temps. Amen. Certaine atmosphère pour laisser la bénédiction de Dieu d'agir. La bénédiction de Dieu de prendre des racines, de croître. Quelquefois, Dieu peut vous donner des choses, vous allez les réaliser à peine. Comme une sœur qui avait des problèmes au genou. Cette sœur ne pouvait pas s'agenouiller pour prier. Parce qu'elle avait des problèmes là-bas. Mais elle vient de l'église. Allez, maintenant mettez-vous à genoux pour la prière. Non, non, elle ne peut pas se mettre à genoux parce qu'elle a des problèmes au genou. Mais un jour, c'était dans sa maison. Elle avait perdu, je ne sais pas, quelque chose sous le lit ou sous la mort. Elle commence à chercher, elle ne trouve pas. Elle est à genoux en train de chercher la mort. Oh, quelque chose me dit, mais qu'est-ce que c'est? Je suis à genoux. Oh, je suis à genoux. Il fallait un certain temps pour qu'elle comprenne qu'elle est capable d'être à genoux. Persévérer. Alléluia. Maintenant, prenons le paragraphe 5. Ça, c'est la prédication. Le prophète connaît le cœur. Celui qui vous parle connaît le cœur. Le Saint-Esprit connaît nos cœurs. C'est un grand et redoutable privilège. Frère Branham dit qu'il y a un privilège pour bénir. Que personne ne connaît. Oh, vous voyez, c'est entre Dieu et moi. Mais quel privilège lorsque je vais me coucher de m'agenouiller devant Dieu et de dire Père. J'ai fait au mieux de ma connaissance aujourd'hui. J'ai fait tout ce que je savais pour rendre la vie plus agréable aux gens. Na sali ko la ko sa la bona
viennent et reviennent et me rendent la vie un peu plus agréable. Ma bénédiction, voilà. On a dit que ça la fin de la vie agréable, mais à la tour. Amen. Cette femme-là a accepté
parce que tu vas jouer avec ça. Mais qu'est-ce que la femme a dit? Il dit, même les petits chiens mangent. Ça signifie que cette femme a accepté les mauvais esprits qu'elle avait. À ta table. Alléluia. Même les petits chiens peuvent rester à la table. Mais Jésus n'a pas supporté parce que Jésus ne supportait pas. Quand il y a la foi, Jésus doit dominer. Quand la foi atteint un certain niveau où on peut te contrarier, mais toi tu aimes toujours. Où on peut te faire du mal, toi tu fais le bien. Yeah!
Dans le nom de Jésus-Christ.